Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, la vidéo comme chaque mois, sur les colos terminés. Alors ce sera une vidéo aussi un peu spéciale parce que je vais carrément vous faire un petit bilan de mon mois. Donc il n'y aura pas que les colos terminés, mais aussi un petit bilan sur mes achats et sur... en fait je vais utiliser l'agenda de Steph Colo 63. Puisque je note tout, il est vraiment très très bien par rapport à ça. On va commencer par les colos. Je vais juste allumer la lumière pour qu'on y voie mieux, parce que niveau luminosité aujourd'hui c'est la galère. Il fait très, enfin on voit même pas le ciel quand il y a trop de nuages, ils sont tout gris. Donc voilà, mon sous-main il commence vraiment à mal vieillir. Prochaine acquisition, à mon avis, ça va être peut-être un sous-main un peu plus sympa. Bref, on verra. Pour l'instant, il est encore, encore bon. Donc, j'ai commencé le mois par Julie Spiri. Alors, j'ai commencé par ce colo. Alors, donc, c'est dans Julie Spiri, The Inspiration. Je pensais le faire pour la battle. Et en fait, je me suis aperçue que je me trompais de profil une fois que Joël me l'a dit. Donc, du coup, je l'ai terminé. Hein, j'allais pas l'arrêter comme ça. Et je vous montrerai après, du coup, l'autre qui a été fait pour la battle. Alors, j'ai utilisé pour ce colo l'acrylique Liquitex. Donc, j'ai adoré m'éclater. Alors, en fait, derrière, il y avait des sapins. Je les ai recouverts. J'ai essayé de faire vraiment un, vous savez, un ciel, un arrière quand on est en période de neige et où c'est un peu brumeux. Donc j'ai essayé de faire ça. Je trouve que je me suis pas mal débrouillée pour une fois. Et j'ai utilisé aussi l'acrylique pour faire la fourrure de son haut. Sinon tout le reste je l'ai fait avec les polychromos. Et j'ai volontairement laissé la bouche comme ça, puisque je trouvais que ça allait très bien avec un peu le gris des cheveux. Je me suis éclatée à le faire. Franchement, et pourtant, alors ce livre-là, je l'ai depuis des mois et des mois. J'en avais fait qu'un dedans. Il fallait que je ne vous montre pas tout de suite l'autre. Ah, je ne veux pas vous montrer l'autre, mais je voulais vous montrer celui que j'avais fait. Alors, il n'y a pas beaucoup d'illus dedans. Mais en fait, ils sont tout en double. Bon, ben, je ne retrouve pas celle que je voulais vous montrer. J'étais pas du tout satisfaite, en fait. Et je voulais pas retourner dans ce livre. Ah, voilà. Voilà. J'avais fait tout avec mes comptés à Paris, en fait. J'ai fait tout le colo avec du crayon pastel. Et j'étais pas du tout satisfaite. Donc, en fait, j'étais pas retournée dans ce livre. Et quand Joël m'a dit, on y va, je lui ai dit, bah, écoute, allons-y. Et en fait, voilà, il y a 25 colos et en double. Donc, et en fait, je ne regrette pas du tout. Et j'ai juste hâte de retourner. Ah, merde, je vous ai montré, je vous ai spoilé. J'ai juste hâte de retourner dedans. Voilà. Ensuite, j'ai réalisé ce colo dans A Million Beer, Lulu Mayo. Vous savez que j'avais déjà fait la petite boule de gomme, là. Et j'avais envie d'y retourner, des petits colos simples. Donc, d'ailleurs, ça m'a permis de participer au colo un petit peu à thème, entre guillemets, du groupe Colo Passion Coloriage pour Adultes de Manon Schmitt. Puisque il y a un petit colo commun avec des lettres. Là, c'était le F, donc pour la fumée. Donc, j'ai utilisé, j'ai mis ce colo-là. J'ai mis fumée, fleurs, enfin bref, j'avais mis plusieurs trucs dans le thème. Je l'ai réalisé entièrement au brut funeur. J'ai réutilisé un peu d'acrylique pour essayer de faire vraiment l'effet un peu crémeux de la fumée et le lait un peu qui sort. Et j'ai utilisé aussi mes, comment on appelle ça, pardon, mes gels hybrides, mes stylos gels hybrides pour mettre un peu de paillettes dans certains endroits du colo.
Donc, petit. Ah oui, et du make-up pour le fond. J'ai oublié le make-up pour le fond. Ouais, je le trouve trop mignon. Franchement, il donne un air joyeux. Alors, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. J'ai pas mis de couleur sur certains éléments, mais volontairement. J'ai voulu les laisser un peu. Voilà, mettre un peu de couleur, mais pas tout. Et ça matche plutôt pas mal. Après, voilà, il n'y a rien de compliqué dans ce colo. Hein. Franchement, j'ai pas. C'est pas les beaux-arts non plus. Hein. Ensuite, j'ai réalisé dans mon pin-up, parce que j'ai envie de l'avancer. Donc, j'avais déjà fait la name page. Et j'ai fait les mille et une nuits. Donc là, j'ai utilisé une base de feutre à alcool que je suis venue retravailler avec mes Luminance, mes Polychromos. J'ai fait un fond make-up et j'ai utilisé mes stylos gel hybride. Donc voilà pour certains endroits. Alors, je me suis inspirée de Angélique Marquise des Anges. Quand elle se retrouve, alors je crois que c'est Angélique et le Sultan, cette chevelure rousse, et elle a une tenue un peu comme ça de Mille et une nuits de Scheherazade. Donc j'ai vraiment pensé à ça quand je l'ai réalisée. Voilà. Ensuite, donc la name page du mois, c'était dans le Fairy Miracle. Donc voilà, je voulais quelque chose de très doux, de très chewing-gum, on va dire. Donc je l'ai réalisé à l'aquarelle, au luminance, au stickles et au posca. Donc l'aquarelle pour le fond en fait, pour faire un effet vraiment nacré, vraiment très doux. J'ai utilisé aussi mes petits stylos de chez Action. Comment il s'appelle les Chaque Maker, je crois. Là, c'est le vert, mais c'est pas grave. En fait, c'est cela. Oui, là, Chaque Maker pour faire les petites fleurs. Ensuite, j'ai utilisé les Luminances et les Posca pour contourer. Et bien sûr, les stickers dans les ailes. Bon, les souris, mon effet poil, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je ferai mieux la prochaine fois parce que j'ai en prévision un colo dans Clara dans le Thunderfool avec les souris. Donc j'espère réussir à mieux faire l'effet poil des petites souris. Mais à côté de ça, il rend les couleurs que je voulais. Je voulais vraiment quelque chose de très doux, de très pastel. Donc on est vraiment dans les teintes que je voulais. Donc même s'il n'est pas super réussi, voilà, j'avais besoin de douceur dans ce colo et il est. Par contre, la page elle gondole. Hein. La page elle gondole. Elle avance, il avance tranquille, mon petit. Il avance tranquille. Je sais pas lequel je ferai la prochaine fois dedans, mais bon, il avance tranquille. Ensuite, j'ai pas mal colorié ce mois-ci. Hein. Je sais pas ce que j'ai eu. J'ai été prise d'une frénésie de coloriage. Ah oui, j'ai fait justement dans le groupe, dans les deux groupes, dans le groupe de Domi, je crois que c'est Passion colorée de Domi, et dans Passion coloriage, coloriage passion pour adultes, coloriage pour adultes, j'ai toujours du mal, j'ai réalisé les bougies. Voilà. Alors, j'ai utilisé les Derwent aquarellables, les Graphene Tint, les Albrecht Dürer, les Staedtler aquarellables aussi, je ne sais pas comment ils s'appellent, les Staedtler Tinted, pardon, et les Stickles. J'ai tout essayé de faire avec des crayons aquarellables. Et après, j'ai mis du Stickles. Je me suis régalée. Franchement, c'est la première fois que j'utilisais autant les crayons aquarellables, alors donc les trois marques différentes. Je me suis régalée. J'ai pas tout à fait réussi encore à faire mon effet lumière des bougies, mais je compte bien continuer à m'entraîner. Mais à côté de ça, franchement, ça a été un régal de travailler ces médiums. Vraiment, vraiment, vraiment.
Il m'a pris un peu de temps, mais voilà. Je trouvais que ça changeait un peu au niveau des teintes et ça brille. J'adore. Ça fait en fait, j'ai essayé de faire vraiment des effets lumineux. Je vous dis, c'est pas encore ça, mais avec encore un peu de travail, on devrait y arriver. Donc voilà pour celui-ci. Je le reprendrai après parce que j'en ai un autre dedans. Ensuite, alors le colo du semaine du mois dans le groupe que nous avons avec Maeva, donc de la chaîne Colorisera. C'était cette page-là. Pourquoi il y en a un truc de gomme. Alors ça va être pour les plus vieux d'entre vous. J'ai repris totalement les couleurs des personnages du village dans les nuages. Alors ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir, parce que je ne sais pas mettre, hein, comme font mes colocopines qui ont des chaînes YouTube, de mettre, tiens, les images, tiens, là, je vais vous le mettre dans l'écran. Ça, je ne sais pas faire. Je suis désolée. Un jour, peut-être, il y en aura. Mais pour l'instant, je ne sais pas faire. Donc, je vous invite à aller sur Internet, regarder l'image. Mais donc, pour ceux qui sont de ma génération ou peut-être un peu plus vieux. Il y avait, juste après la période Casimir et l'île aux enfants, on a eu une petite série, une petite sitcom, un petit, je sais pas comment ils appelaient ça à l'époque, qui s'appelait Le Village dans les nuages, et c'était des extraterrestres, et ils avaient tous une couleur. En fait, il y avait le bleu, le violet, etc., le rose, le jaune. Et quand j'ai vu l'image des champignons, j'ai pensé tout de suite à cette espèce de dessin animé sitcom, je sais pas trop comment le déterminer. Et donc j'ai essayé de faire des nuages et j'ai réutilisé les couleurs des personnages. Donc pour faire ça, j'ai réutilisé mes abrèges d'horreur, j'ai utilisé mes macarons pour essayer d'avoir des couleurs pastel et les artistraux. Donc pour les effets, on va dire. Et après, j'ai aussi utilisé les stickles pour mettre des brillants et un peu d'acrylique blanche pour les nuages. Ah oui, et les Posca, parce que j'ai fait l'arrière au Posca au noir. Franchement, alors pareil, j'ai utilisé pour détourer les petits diamants et tout, mes stylos gel hybrides. Et franchement, ils matchent bien. Il matche très bien. Le mois prochain, donc Maëva vous l'a présenté. D'ailleurs, vous pouvez aller sur sa chaîne Colorisera. À chaque fois, elle met à la une le colo de la fois prochaine. Et le colo de la fois prochaine. Oh là là, par contre, là, j'aurais peut-être dû. Attends. Mince. Mais où est le colo? Je sais toujours lesquels sont, mais je. C'est un oiseau. Oui, c'est celui-ci. Voilà. Le colo du mois prochain, c'est celui-ci. D'ailleurs, je vais mettre tout de suite un truc, sinon je vais vous saper. Donc, pour ceux qui veulent participer, je vous invite à le faire avec nous si vous voulez et mettre le hashtag Coloteam Summer Night 2022. J'essaierai de vous le remettre en information barre d'infos. Et le bonus, le colo bonus pour ceux qui ont déjà fait celui-ci, c'est pareil, c'est un que j'ai fait et que Maëva a fait. Il faut que je le trouve. Oh là 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 là, mais quelle galère! Voilà, c'est celui-ci. Voilà. Effectivement, avec Maëva, on a décidé que. Enfin, que je gomme. On a décidé de proposer en colo bonus des colos qu'on a déjà fait en commun, puisqu'ils ne seront jamais proposés au vote. Donc, comme ça vous permet d'avancer aussi votre livre. Voilà. Donc, le colo principal à faire pour le mois d'octobre, ça sera celui-ci. Et le colo bonus, c'est celui-là. Voilà. Pour le Summer Night. Et vous retrouvez tout ça sur la vidéo de Maeva Color Isera. Ensuite,
Ensuite. Alors ensuite, j'ai fait un duo avec ma copine Caro Colo Fashion, Fashion Colo. Enfin, ma copine Caroline, quoi. Nous avons. Alors, elle n'a pas terminé, mais elle m'a donné l'autorisation de vous le montrer avant. Je l'avais aussi réalisé de toute façon pour le concours de la chaîne Les Créa Colo de Sandrine, puisqu'elle voulait un colo avec un maximum de bleu. Donc je l'avais proposé aussi pour Sandrine. Donc ce colo, je l'ai réalisé. Alors attendez, parce que du coup, j'ai oublié de sortir, parce que j'avais oublié de le noter sur mon deuxième petit cahier. Donc je vais sortir. Je me souviens plus. Ah oui, j'ai utilisé les Castle Art Gold que ma copine Béa m'a offert. C'est juste une tuerie, ces crayons. Je les adore. Je les adore. Et de l'aquarelle. Donc, tout simplement. J'ai détouré un petit peu avec certains stylos gel hybride. Et j'ai utilisé du stickle pour les ailes du papillon. Voilà. Mais franchement, une tuerie ces crayons. Vraiment, je me régale à les utiliser et je les réutiliserai parce que vraiment, j'adore. Franchement, j'adore. Je kiffe ces crayons. Bah, c'est le deuxième colo dans ce livre. Donc, j'aimerais bien continuer parce qu'il a vraiment. De toute façon, je vais vous présenter ma pack pour mon défi automne-winter. Mais je pense qu'il y a peut-être certains colos dedans qui vont pouvoir correspondre. Donc je pense que je vais en refaire un bientôt. Non. Voilà, j'adore ce livre. Franchement, il est vraiment très bien. Voilà, ensuite. Ensuite, j'ai fait. Alors, comme je suis un boulet, il fallait faire. Pour un auteur mis à l'honneur dans le groupe de Domi, un challenge mis en place par Pascal, un homme avec des bijoux, un homme de Kevin Théouart avec des bijoux. J'ai fait celui-ci. Voilà. Donc j'ai utilisé les polychromos et une base de feutre à alcool que j'ai retravaillé. Je l'ai fait, etc. Du make-up pour le fond, du stylo gel hybride pour détourer les petits dessins du vêtement. Et je l'ai envoyé parce que le vote avait lieu aujourd'hui. Et Pascal me dit, ah, mais c'était, t'avais pas lu toute l'annonce. Il fallait que le personnage soit blond. Donc ça faisait quand même la deuxième boulette que je fais dans le moins. Rappelez-vous, Julie Spiry, le portrait. J'aime bien me mettre des challenges où je suis obligée de faire deux colos au lieu d'un. C'est génial. Donc voilà. Donc vous verrez tout à l'heure le deuxième que j'ai fait. Parce que du coup, après avoir fait celui-là, l'avoir envoyé, j'ai commencé un colo dans mon Blanche-Neige que je vais vous montrer. Et je vous montrerai le deuxième de Kevin Théouart après. Voilà. Donc on est dans le Mysterious Faces de Kevin Théouart. En même temps, ça me fait avancer mes livres. À chaque fois, j'en fais deux au lieu d'un. C'est clair que j'avance. Donc ensuite. J'ai fait mon Blanche-Neige. Je suis trop contente. Il avance trop bien, mon Blanche-Neige. Voilà. Alors, il s'abîme un peu. Faut que je mette du scotch. Les feuilles se détachent. Ça me gêne, mais bon. J'ai fait celui-ci. Donc, je l'ai réalisé à l'aquarelle, au Albrecht Dürer et au Polychromos. Oui, je sais, j'ai beaucoup utilisé mes Albrecht Dürer. Ce mois-ci, mais j'avais une frénésie envie d'essayer, de tenter des aquarelles, des choses comme ça. Vous vous souvenez que le mois dernier, je vous disais que j'essayais à chaque fois d'utiliser de plus en plus mon matos pour voilà, tester des choses. Donc bah là, ce mois-ci, c'était un peu les feutres, n'importe quoi, les crayons aquarellables. Et pour le fond, j'ai utilisé mes Carbotello. Voilà. Que vous dire de plus? Non, j'ai vraiment bien aimé le faire, bah comme tout colo. Bon, mon effet bois ressemble à celui de Morgane, mais c'est pas du tout le même puisque j'utilise pas du tout les mêmes crayons ni les mêmes couleurs en fait. Mais c'est vrai que ça ressemble énormément.
Mais quand je fais l'effet de Morgane avec les crayons qu'elle utilise, effectivement, je le dis, parce qu'elle a un effet bois qui est top, avec des Derwent Drawing. Mais là, c'est pas du tout. Vraiment pas du tout. Mais ça y ressemble beaucoup. Hein. Les teintes sont beaucoup, la façon qu'elle fait. Mais là, c'est pas avec les Drawing, c'est avec les Albrecht Dürer. Voilà. Mais je vous invite, si vous ne savez pas faire l'effet bois, à aller voir l'effet bois de Morgane, parce que vraiment, il est top. Donc, je pense que le mois prochain, je m'attaque à celui-là. Comme ça, en fait, j'aurai quand même tout le début du livre de fait. Donc, le mois prochain, ben, je vais me mettre un petit... Même si je le sais, mais ça, j'aime bien voir mes petits post-it. Donc, je le mets. Toc. Voilà pour le mois prochain. Ensuite, donc, du coup, j'avais fait la boulette. Donc, je suis retournée dans Kevin Theo Art. Et j'ai fait celui-ci. J'ai kiffé. Honnêtement, j'ai kiffé. Je l'ai fait en réellement pas longtemps. Et j'ai kiffé. J'ai fait une base, vous voyez, les cheveux et le corps de feutre à alcool. Ensuite, je suis revenue travailler avec les polychromos. Les cheveux, je les ai retravaillés avec plusieurs teintes de polychromos. Les plumes, je les ai fait avec mon stylo blanc Pentel Hybrid Gel Grip. J'ai utilisé mes stylos gel hybrides dual métallique pour faire les bijoux, repasser les petits contours. Et tout le reste a été fait au crayon. Franchement, j'ai kiffé. Vraiment. Donc voilà, donc le deuxième dans Kevin Theo Art. Pareil, un livre qui avance quand même pas mal. Parce que j'en ai quand même quelques-uns de faits. Donc du coup, j'ai celui-là. J'ai celui-là. J'ai celui-là. J'en ai plus de faits, ça, non? Je pense en avoir fait plus. Ah oui! Et parce que celui-là, je l'ai fait déjà, mais en PDF à l'époque. Donc, il faudrait que je le remette dans le livre, en fait, ce que j'ai fait en PDF. Donc, contente. Qu'il avance. Ensuite, je suis allée dans mon Thunderful Enchantment, comme tous les mois. Vous savez que j'en ai un par mois à faire avec deux colocopines. Donc, ce mois-ci, on a décidé de faire les champignons. Donc, je les ai fait au Prismacolor, au make-up et aux artistraux. De toute façon, vous m'avez vu, pour ceux qui assistent à mes lives, je l'avais commencé en live. Bon, des fois, j'avance pas beaucoup en live. Hein, mais donc, j'aime bien aussi hein, toujours faire la page d'à côté. Ben, je suis contente, franchement, du résultat. C'est pas les plus beaux champignons que j'ai fait. J'en ai fait des plus beaux. Mais ceux-ci, c'est moi qui les ai faits. C'est-à-dire que les autres que j'avais fait plus beaux, je les ai faits en suivant le tuto de Chris Cheng. Alors que là, je les ai faits moi-même. Donc, bon... Ils n'ont pas la tête de ceux-là, mais je les aime bien quand même. J'aime bien mes petits champichignons. Que vous dire d'autre? J'ai pas mis de paillettes pour une fois. Je suis restée assez soft. D'habitude, dans les Clara Markova, je mets pas mal de paillettes. Mais là, je suis restée assez soft. Je voulais qu'ils soient soft. Donc voilà. Je vous ai dit, hein, comme d'habitude, le fond make-up. Je trouve que ça donne vraiment un air sympa. Celui du mois prochain, ça sera celui-là. C'est pour ça que je vous disais, j'ai des petites souris à faire. On a décidé à celui-là. Voilà pour Clara. Ensuite, je suis allée dans le Cendrillon pour le trio colo de Simone Color. Je vais avoir des chaînes à vous citer dans mon... sous la barre d'infos, dis donc. Dans ma barre de description, heureusement que j'ai mon assistante. Donc pareil, base de feutre à alcool et retravailler à l'aquarelle, au polychromos, au feutre hybride, au Posca et au glossy accent. Le glossy accent, j'en ai mis dans le bijou, en fait. Donc on ne voit pas beaucoup. Que dire? Amandine, quoi. Un kiff. Un kiff à colorier, il n'y a pas d'autre mot. J'ai travaillé les cheveux un peu comme Simone nous l'avait dit, faire une petite base, voilà. Et j'ai fait pareil pour la robe.
un grand plaisir à colorier, comme à chaque fois que je fais des coloriages d'Amandine. Franchement. Adoré. Donc, que vous dire d'autre? Pour une fois, j'ai fait les lèvres au... Et je trouve que ça brille, c'est sympa, au stylo gel hybride. Je ne sais pas si vous le voyez. Franchement, c'est top comme les fleurs, en fait. Je les ai fait au hybride. C'était très sympa à faire. Ouais. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Donc, voilà. Et pour finir... Pour finir, bah non, je vous ai pas montré. Ah bah oui, il m'en manque un. Je vous ai pas remontré du coup. Le deuxième colo, voilà, que j'ai fait. Celui qui était fait pour la battle de ce mois. N'est-ce pas? Comment vous dire? Comment j'ai pu confondre celui-ci avec celui-ci? Bref, c'était un portrait de profil. Alors, celui-ci, je l'ai réalisé au polychromos, à l'acrylique. J'ai fait un fond à l'acrylique. J'ai essayé de faire un effet un peu vieilli. J'ai fait des mélanges de violet, rose, et un peu de blanc, comme ça. Pour... J'ai fait un petit mixte. Et ensuite, je suis revenue passer du mode poche. Donc, ça brille, mais vraiment de beaucoup. Hein. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Bon, on a perdu encore. On remonte sur le ring le mois prochain, mais enfin, le mois d'octobre, là. Ça y est, je viens de finir aujourd'hui le colo qu'on a envoyé à Mélissa. Mais c'est pas grave, moi je kiffe cette battle parce que j'apprends beaucoup de choses sur moi-même et sur ma façon de colorier. Donc je continue, j'adore. Donc voilà. Et enfin, on va terminer. Du coup, on va terminer par... le coloriage de la fin. C'est pas bien ça comme terme. Terminer par la fin. Bah oui, on va pas terminer par le début. Boulet. Ah là 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 là. Mais bon, c'est moi, hein, vous me connaissez. Voilà, donc j'ai réalisé mon dragon dans le World Within World. Donc ma fille, je sais pas si vous vous souvenez, le mois dernier, je vous avais dit que ma fille voulait que je fasse le dragon. Et je me suis dit, j'ai pas envie de le faire rouge et jaune comme les autres. J'ai cherché une image de référence et j'ai vu des dragons un peu qui étaient dans les tons vert et violet. Je me suis dit, bah, pourquoi pas. Donc, j'ai retravaillé encore avec mon acrylique et mon aquarelle, le gel hybride, les Life Fast et les Castle Art Gold. Donc, c'est pas le plus beau colo qu'on va voir, mais moi, il m'a appris beaucoup de choses. Donc ça, c'est important. Donc j'ai réalisé le tout. Ce que je regrette d'avoir fait, c'est d'avoir essayé de détourer avec mon Posca violet. Je trouve que ça amène rien de plus et ça le gâche même, j'ai envie de dire. Par contre, franchement, travailler l'acrylique, je pense que je ne l'ai pas assez dilué. Donc du coup, ça faisait des traces. C'est pour ça que je suis revenue tapoter avec du blanc pour faire une espèce d'effet de fumée. Parce qu'un dragon, finalement, il y a souvent de la fumée. Donc, j'ai essayé de travailler ça. Et pour faire ressortir ce vert et parme, j'ai utilisé de l'aquarelle nacré rose. Je trouvais qu'il se mariait très bien avec les couleurs, le gris, le vert. Et je trouve que ça fait ressortir le dragon. Honnêtement, j'ai vraiment apprécié le faire. Et voilà, c'est peut-être pas le plus beau colo qu'on va trouver, mais... il m'a tellement appris de choses sur l'acrylique que je suis contente de l'avoir fait. Alors, par contre, mes pinceaux n'étaient quand même pas des pinceaux de qualité pour l'acrylique. Donc, j'ai demandé à Miss Pondy, mais pas que, ce qu'elle conseillait. Et elle m'a conseillé ses pinceaux, Le Franc et Bourgeois. Donc, du coup, alors manche long. Du coup, alors dedans, vous avez le pinceau rond, l'usé bombé, le plat et la langue de chat. Taille 6, 12, 16 et 24. Et puis, bah, il y a le 2 aussi. Je sais pas. Non, le 12. Bah, pourquoi ils en présentent 1, 2, 3, 4 et j'en ai 6 dedans.
Bon, bref, je n'y connais pas trop grand chose dans les pinceaux. Donc je pense que mon prochain acrylique, je le ferai. Enfin, c'est pas je pense, c'est certainement que je ferai avec ça. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour ces pinceaux. Actuellement, ils sont à 9 euros les 6. Donc franchement, ça vaut carrément le coup. Voilà. Je vais avoir une barre d'informations, une barre de description énorme. Bonjour, moi qui suis pas douée pour tout ça, il va falloir que je m'y prenne d'avance. Enfin voilà. Donc voilà pour les colos. Maintenant, nous allons passer du coup à mon petit. Déjà, il va falloir. Je vais vous faire un petit bilan. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai 14. J'ai réalisé 14 colos ce mois-ci. Donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que j'ai appris ce mois-ci? Je me suis entraînée sur l'acrylique. Donc j'ai appris beaucoup de choses sur l'acrylique. Mes achats du mois. Alors, j'avais quand même acheté pas mal de choses. J'ai quand même acheté bon, l'agenda de Steph Colo, mais franchement, je ne regrette pas. Il est vraiment top. Les Hirogitaines, des pinceaux à réservoir d'eau, un livre d'Emmanuel Collin, une palette en bois, quelques lifefasts et quelques brushes d'erreur pour continuer mes gammes, le livre de coloriage Crépidole, quelques luminances, quelques carbotello et une gomme mi-pain. Des achats vraiment encore... mais qui vont m'aider à continuer à colorier. Pour le mois prochain, j'ai donc le temps d'un full enchantment à vous faire. Au niveau de la name page d'octobre. Alors, la name page d'octobre, ce sera sur un Anna Carlson. Le Axon Stuga. Donc la name page, ce sera sur celui-ci. Voilà, donc pour ceux qui veulent, hein, vous pouvez aussi faire le petit flacon en plus, hein, il n'y a aucun souci. Moi, je pense que je ferai les deux. Honnêtement, je ferai certainement les deux. Donc ça, c'est pour mon fil rouge de la name page. Ensuite, vous avez le fil rouge Astro Kawaii de Kevin Théoard et de Sabrouk. Je vous rappelle que si vous n'avez pas ce livre-là, vous pouvez nous suivre avec une image de référence représentant le signe en cours. Donc, il y avait la Vierge. Donc là, ça sera la Balance. Je vais mettre ça tout de suite dedans, comme ça. Voilà. Donc ça, c'est mes deux fils rouges. Ensuite... Je veux absolument aller dans Maud la Moine. Donc, je ne sais pas encore dans quel livre je vais aller, mais je vais y aller. J'ai deux colos à réaliser dans le Christine Caron. Donc, j'ai un duo avec ma copine Manon et un colo en commun dans le groupe de Domi. Un colo en commun dans le groupe de Manon, la pirate. Donc, j'ai ces deux-là à faire. Dans le groupe de Domi, j'ai un colo à faire que je vais faire en duo avec ma copine Aurélie. Les colos de choupette. Je crois que c'est ça. Hein. Ah, c'est ça. Que je dise pas de bêtises. On s'est dit qu'on se faisait ensemble. Donc, celui-ci a réalisé. Donc, vous voyez, le mois n'est pas encore commencé. Que j'ai déjà... Pourtant, je ne fais jamais de Pâques, mais avec les petites inscriptions. Donc, mon colo pour la battle, ça y est, je viens de le faire. Il devait être rendu pour le 15 octobre, mais bon, ça y est, c'est fait. Et j'ai un concours aussi avec Boubaliza sur le groupe de Domi. C'est le Elisabeth II dessiné par, par Amandine Young.
Donc, bah écoutez, hein, beaucoup de choses en prévision pour le prochain mois. J'ai pas mal de livres pas commencés, donc je veux absolument aller au moins dans un demi-livre pas commencé. Donc, je sais pas si je ferai un Annaline ou un autre. Et puis, vous faire ma pack, ça c'est prévu, vous faire ma pack pour le défi automne. Winter, où vous êtes déjà pas mal d'inscrits, ça fait trop 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 plaisir. Trop 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 plaisir. Je crois qu'on est à 33 ou 34 inscriptions pour l'instant. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Plus on est de fous, plus on rit. Si vous ne savez pas de. Si vous ne savez pas, bah oui, si vous ne savez pas. Mais comment ça, si vous ne savez pas? Si vous ne savez pas de quoi je parle, il s'agit d'un défi qui court à partir d'aujourd'hui jusqu'au 31 décembre sur des thèmes. Et vous avez trois lots possibles, lots de colo, hein, ce que je parle, donc 4, 8 ou 12, sachant que vous avez 13 propositions de thèmes. Donc je vous invite à aller voir la vidéo si ça vous dit. Et de me mettre sous la vidéo, je participe. Au niveau du challenge 5UM, j'ai eu pas mal de parfums, pas mal. Par rapport au défi colo, non, moins. Mais c'est normal, 5UM, c'est moins connu, etc. J'ai quand même eu 8 personnes inscrites. Et donc, j'attends 2 colos encore pour pouvoir envoyer le tout à 5UM. Voilà. Donc, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo qui, je pense, sera la vidéo de ma pack pour vous donner quelques idées pour le défi challenge Autumn Winter. Et puis, portez-vous bien. J'ai encore, je sais, vous allez dire, mais elle est chiante celle-ci. J'analyse toujours. Bah, ça, c'est mon côté analytique. Hein. J'analyse toujours. Et effectivement, vous êtes bien 40% des personnes à me suivre régulièrement, mais à ne pas vous abonner. Donc, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner de façon à ce que je puisse être référencée. Et que mes vidéos remontent un petit peu plus haut et puissent être proposées, tout simplement. Voilà. Donc, merci à vous si vous pouvez faire ça. Ça serait juste top. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous!